Eh bien, salut tout le monde et bienvenue sur MGaming. Aujourd'hui, je vous propose la suite de mon aventure sur Portal 2. Donc, tout de suite, je me tais et puis on se relance dedans directement. Allez hop, c'est parti. Donc là, on va aller rechercher le Portal Gun. Bonjour. Ils font marrer ces petits robots là, vous allez voir par la suite. Attention. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Attendez, laissez-moi faire. Merci. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Mais l'important, c'est que vous êtes revenu avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. GLaDOS est vraiment énervé contre nous, hein. C'est un peu normal, si on l'a tué dans l'épisode précédent, c'est normal qu'elle ait une dent contre nous, mais bon, j'ai l'impression qu'elle va nous en faire baver, on va voir ça. Démarrage à froid. Excusez le désordre, je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Ils doivent mal réagir, j'imagine. Ça doit mal se passer. Alors, attendez, j'ai ça. Là, si je fais ça, ça c'est ça. Ouais, il aurait peut-être fallu que je monte dessus avant. Hop, on décale le petit laser. On le remet bien au-dessus du récepteur, et voilà. Vous vous débrouillez comme un chef. Ouais, je suis un professionnel. Je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Ah, ah. Ah, c'est vrai qu'on a quelques heures de jeu devant nous, ça c'est évident. Quelques bonnes heures de jeu même, avec encore plein d'humour, plein de rebondissements. Bon, je vous spoil pas, mais... Voilà quoi, ça va commencer à être intéressant, là. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Oula. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Alors. Il doit y en avoir dans le coin. Ah, il y en a un là. Donc vous voyez, maintenant j'ai le double portail gain. Donc avec un portail orange, un portail bleu. Donc maintenant je peux faire voyager des choses d'une pièce à une autre. Comme celui-ci. Hop, vous allez voir. Voilà. Simplement. Hop là, je vais me foutre là. Dans le laser, ça va pas être terrible. Allez, hop, pose-toi là. Ça, ok, ça fait ça. Ok, donc je monte là. Sûrement, voilà, là c'est blanc, donc c'est que sur les surfaces blanches, bien sûr, hein, je pense que vous avez compris. Donc là, si je mets le portail bleu en dessous, hop là. Bon, je me prends un petit coup de laser par le portail, c'est pas terrible, terrible. Voici les résultats voilà, des tests. Hop là. Vous êtes quelqu'un d'affreux. Merci. Ce qui est marqué, quelqu'un d'affreux. Toujours sympa à prendre. Ne portez même pas là-dessus. Ah, la GLaDOS. Elle va nous en faire baver, ça c'est sûr. Elle va nous faire des salles bien bien compliquées. Ce qu'on est devenu, c'est... Enfin, on est devenu sa... Sa petite bête, quoi, son petit sujet. Quelqu'un d'affreux vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. D'accord, merci. Alors, donc vous voyez, là, elle est en train de faire le ménage. Elle est en train d'essayer de rattraper... Ah, si vous avez pas compris les bêtises que l'autre petit robot a fait, en fait, pendant qu'il y avait personne. Voilà. Donc lui, il a tout détruit et elle est en train de tout réparer. Donc là, j'ai mon truc là-haut. Certainement qu'il faut que je monte quelque part comme ça. On va faire ça comme ça, avec le nez dans le laser. Et non. J'ai eu de la chance. Portail bleu là, voilà. Oh, et c'était presque ça, hein.
Sauf que c'était de l'autre côté, mais c'est pas très grave. Voilà, enfin, j'arrive à le rattraper bien. Allez, voilà. Hop là, donc ça. Donc ok, il y a toi. Donc là, je vais remettre un portail bleu, un portail orange là, un petit peu plus bas. Tac tac tac, toi t'es là, donc toi je ferai ça. Et le détecteur il est là. Félicitations. Et, hop. Et voilà. Pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide aux alimentations. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable au mépris des probabilités. Comment elle nous vanne, c'est trop marrant. Elle nous sort des petites vannes, des petits pics, c'est trop bien vu quoi. J'adore. Je suis très fan de ça. Hop, petit temps de chargement encore une fois. Hop, ça va, on enchaîne les salles assez vite, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Ça va peut-être pas toujours se passer comme ça. Regardez, hop, voilà, elle est en train de réparer, elle est en train de se nettoyer. Vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et faire ce que vous voulez, à part détruire le centre. Ouais, effectivement. Alors, là j'ai un laser là, d'accord. J'ai un plateau là-bas, ok. Ça, ça fait tomber quelque chose. D'accord. Si je fais quelque chose comme ça. Ouais, sauf que c'était pas vraiment en face. Ça, ça fait bouger ça, d'accord. Il va certainement falloir que j'aille là-bas. Je vais garder le bleu, je vais prendre l'orange, une fois qu'il va être là-bas. Oh, blablabla. Non, c'est pas du tout ça qu'il fallait que je fasse. C'est plutôt ça. Que j'aille là-bas. Hop. Que je fasse ça. Ah ouais, mais je peux plus mettre le laser là-bas maintenant. Ah ah. Et je m'en reprends un coup de laser, bien sûr. Oh là 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 là. Comment faut que je fasse Faut que je décale ça. Donc, ça c'est sûr. Le bleu là. Là, ça, ça fait ça. On est d'accord. Mais moi, faut que j'aille là-bas. Faut que j'aille là-bas. Donc, le bleu, je suis tué avec le bleu. Ah. Comment faut que je fasse ça? Je suis sûr que vous êtes là, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, je vous avouerai, je suis perdu. Faut que j'aille là-bas, mais faut que le laser, je peux pas le caler là après, donc c'est un peu chaud. Comment faut que je fasse? Il n'a servi à rien. Ah, attendez. Ouais, c'est déjà. Ça va me donner un cube, ouais. Ok. Ça, si je fais ça, ça fait ça. Mais là, je peux pas mettre le laser. Je ne peux pas mettre le laser. Oh là là, c'est pas de bêtises. Ouais, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire non plus. Vous voyez, on se perd vite avec les portails, hein. C'est un peu. C'est un peu difficile. Alors. Ah là là, je vais pas trouver. Suis-je bête à ce point-là? C'est pas bon ça, dis donc. Je vais pas passer 2 heures sur cette salle quand même. Ah, sûrement en faisant quelque chose comme ça. Comme ça, ça risque de couper le rayon, je sais pas. Non, ça va l'emmener là-bas, ça va peut-être même le détruire. Ah voilà, ça l'a bloqué. Ah bah voilà, c'est tout. Ça l'a bloqué, donc du coup, on peut certainement faire ça et ça. Ah mais ça a tout bloqué avec lui. Ah! Est-ce que j'ai fait bugger la salle? Peut-être des chances, hein. Oh là là, elle est pas sortie de la mouise avec moi, je vous le dis. On va aller voir ce qui se passe par là. Ah bah, je crois que j'ai fait bugger la salle. Je crois que je l'ai bloqué. Tout simplement. Oui, pardon, petit bug, hein. Vous allez peut-être avoir une petite coupure, mais c'est juste un petit bug, le jeu a coupé tout simplement. Donc voilà, donc on reprend la salle. Alors,
Qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai un laser là, ok. Ah oui, attendez, ça va certainement bouger. Hop, voilà. Si je bloque, voilà, si je bloque le faisceau, ça reste bloqué là-bas. Ah ouais, regardez, hop, je fais ça. Là, je prends un petit cube. Je monte là-dessus. Et là, je fais. C'est le bleu qui est là. Le bleu là. Voilà, là, je fais gaffe. Voilà, je passe avec ça. Voilà. J'en suis très heureuse. J'ai enfin trouvé. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Et hop, la suite. Voilà. On continue, petit temps de chargement comme à notre habitude. Bon, première fois qui m'a causé un petit peu de soucis quand même, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre. Enfin bon, c'est pas très grave. C'est parti. On continue. Voilà. Le test qui suit comporte une plaque de foie aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu me fais, toi? Fais-moi voir. Ça, je sais peut-être si ça fait ça, et ça l'envoie où? D'accord. Qu'est-ce que je l'attrape au vol? Ouais, bah pas comme ça. D'avoir au bon moment. Hey yeah! Professionnel! Que saviez-vous? Ça va, facile. Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Bah. Intéressant, non? Disons que je respire, ça me va très bien. Ça me va très bien. Petit temps de chargement, encore, toujours. Ah, c'est un peu chiant, ça, c'est Passons vrai. Passons au test suivant. Tiens, des plaques de foie aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gaiement les airs. Là, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. Bah, amuse-toi bien. Alors, là, j'ai encore les trampolines bizarroïdes. Ok, ça, j'ai un petit plan là-bas. Alors si je fais ça, ça peut faire ça. Je vais retomber sur celui-là, ok. Je vais aller là-dessus, ok. Peut-être fallu que je fasse un portail, ça aurait été moins bête. Ah ouais, d'accord. D'accord. Là, je vais faire ça. Alors je sais pas, hein, je vais tenter quelque chose, je suis pas vraiment sûr, mais je pense que ça va être ça. Alors hop, on se réélance là-dessus, celui-là, là je fais un portail bleu, hop, ouais ça a l'air d'être ça, hop, oui, magnifique. Alors ensuite, toi tu vas me donner un petit cube bien sûr. Pardon, je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test, du coup il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui fondent sur vous. Est-ce que je vais les attraper? Non. En fait, elle m'attaque, hein. Elle m'envoie des trucs exprès. Ne se prête pas au test. Ce sont des déchets. Ah. Appuyez encore sur le bouton. D'accord. Donc, c'est bien le cube qu'il me faut. Voilà, on va essayer de l'attraper au bon moment. Oh, bah, attendez, je suis bête, je vais faire ça. Regardez, hop. Salut. Oh non! Ah, la loose. La loose totale. N'importe quoi. Hop, on recommence. J'aurais pu essayer de la rattraper avant quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Il y en a à volonté. Voilà, reste devant. Deuxième fail. Ah non, c'est bon. Celui-là est bon. On va le prendre comme ça. Hop, on va pas prendre de risque. Mais par contre, il faut que je l'emmène là-bas. Comment je fais ça pour tomber là, toi?
Ah. Parce que vous croyez que ça passe comme ça? Ah, j'ai du mal à y croire. Hein. On va essayer. Mais ça se trouve, faut même pas que je le récupère par là. Allez, vas-y. Non, ça me paraît un peu loin pour que ça vienne se mettre ici. Ça me paraît un peu... Si, si, c'est ça? Oh là là, oh là là, magnifique, magnifique. Alors tout ce que j'ai fait avant ne servait à rien. C'est pas grave. C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je suis désolé. Ah, j'ai pas entendu ce que t'as dit. La première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. Ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Merci bien. Elle est toujours gentille, hein, GLaDOS. Ah bah, excusez-moi, je bois un petit coup. Hop. Le saviez-vous, les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Oh. Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Ouais, on l'a fait exprès. Alors, là je vois un cube. Oh, avec un petit cœur, il est beau celui-là. Oh. L'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolé. Chaloperie, il a d'autres. Retournez en prendre un autre. Ouais. Alors. Oh zut, je l'ai détruit aussi. Ah, c'est le prix de la dose. Grave. Nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande. Tiens, on avait vu le petit robot là. Alors, comment je fais là? Parce que c'est bien gentil tout ça. Je regarde s'il n'y a pas des surfaces blanches au plafond. J'en vois pas. Ça coupe quelque chose. Ah d'accord, ok. Pas de problème, jusque là tout va bien. Hop, je fais ça, on va pas te remettre devant. Alors, ensuite... Tac. J'arrive là-haut, donc ça ouais, ça c'est assez simple. Est-ce qu'il me faut un bloc? Sûrement, hein. Si je fais ça, ça, voilà. Non, tombe pas s'il te plaît, merci. Hop, on va être projeté, je pense, là, si je fais ça. Ouais, ça devrait être jouable. Hop. Voilà, j'ai cru que j'allais me fail. Voilà, ça va là. Ok. Bon, bah, même principe avec l'autre côté. Hein. Sauf que là, on va y aller à l'arrache. Hop là. Oh, je prends les risques, je suis un fou. Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Ah bah je sais pas, j'aurais peut-être dû regarder. Non, il y a certainement rien à prendre, de toute façon. C'est pas très très grave. Alors, on continue. Alors j'espère que vous aimez cette aventure, hein, que vous suivez un petit peu les commentaires des protagonistes. C'est vraiment sympa. On rigole pas mal. Bien sûr, j'essaye de me taire un maximum pour que vous puissiez profiter. Des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test qui n'en comportait pas. Alors, là, je peux pas passer là, ok. Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Hop là. Je vous donne la version courte. Voilà. Si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Merci GLaDOS, c'est très gentil. Je reviens tout de suite. Très gentil pour l'aide GLaDOS, toujours là pour aider. Alors, je sais pas si ça traverse. Si ça traverse, ça traverse. Hop, c'est ça. Ensuite, c'est ouvert. Voilà, tout simplement. Sympa. Ça se passe plutôt bien. Alors, combien de temps il est là? Hop là, 20 minutes qu'on filme déjà à peu près. Je vais essayer de faire encore... Bah, je vais faire la salle suivante, puis je pense que je vais vous laisser là-dessus. Parce que je veux pas faire des vidéos trop longues, parce qu'après c'est très très long à uploader. Et puis c'est peut-être pas agréable pour vous non plus d'avoir des vidéos de 3 quarts d'heure. Ah bah voilà, chapitre 3. Ah bah moi je dis qu'on va se laisser là, comme ça pour la sauvegarde c'est très très bien, on passe un nouveau chapitre. Donc c'est très très cool, on a fait un chapitre ensemble. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vraiment vous commencez à bien accrocher à ce jeu. Je vous remercie encore, hein, si je me répète toujours vers la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, même négatif, comme je dis toujours, ça sera toujours constructif. Donc allez, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut les gens.